Ah, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Keyos. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture rétro. Comme on l'a dit hier, ce sera un or et argent. Donc voilà, on s'est mis un peu dans l'ambiance rétro avec la petite boîte premium Darkrai, la trio box type Louf. Et bon, là vous le voyez pas, mais c'est un coffret or et argent, hein, pour bien être dans l'univers, on va dire, de or et argent, qui est une série que j'adore. Franchement, j'adore. Du coup, alors ça c'est top qu'on a en fait réussi à l'avoir, parce que si vous voulez, on n'aura pas touché en fait notre collection de scellés. Voilà, parce qu'en fait il y a un magasin donc qui est pas très très loin, donc en fait j'ai été prévenu qu'il en avait retrouvé un. Le gérant, du coup, faut pas déconner, je lui ai pris tout de suite. Comme ça, en même temps, ça peut nous faire une chouette ouverture avec mon petit Lugia là qui est ici. Le Pharamp en plus, j'adore. Donc écoutez, on va s'ouvrir ça. Voilà, on va se l'ouvrir. Ouais, allez, on est parti, on va l'ouvrir. Tac, c'est fait, c'est parti. C'est pas la série la plus vieille, hein, non plus, mais voilà, c'est une série que personnellement j'adore. Je la trouve vraiment excellente, cette série. Les cartes sont juste magnifiques. Du coup, tiens, si jamais vous voulez lire, vous pouvez faire la petite pause, hein, donc nous on va y aller. J'en profite pour vous dire que demain, donc en fait, bon oui, vous gagnerez un booster, donc un booster au choix de la série, du bloc, de quelques boosters, on va dire, du bloc noir et blanc, donc je vous les mettrai un peu, je vais peut-être tourner la vidéo après. Donc comme d'hab, hein, le petit indice, tout ça, bon le Pharamp on doit l'avoir, mais je vais quand même faire attention, normalement on l'a, ça, y a pas de problème. Du coup j'en profite aussi pour vous dire que vous pourrez, si vous voulez, préparer des questions, parce que demain, voilà, attendez, normalement si je dis pas de bêtises, bon on va faire ça, je suis vraiment pas sûr là de ce que je viens de faire, parce que je sais plus en fait si quand il y a une légende, elle remplace l'holographique ou pas. Enfin la reverse pardon, donc je ne sais plus, franchement je sais plus, je suis désolé. Du coup voilà, donc je vais faire un petit zoom. Donc ce que je vous disais, c'est qu'en fait, voilà, on va peut-être commencer la première FAQ de la chaîne. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à y penser, comme ça vous pourrez les poser demain. Donc voilà, la vidéo de demain servira vraiment à faire un tout petit truc, hein. Ce sera vraiment tout petit, mais voilà, donc j'espère quand même que ça vous plaira. Et du coup, nous, on est parti avec Crocodile, j'adore Crocodile Caiminus, c'est franchement un pur kiff pour moi. Surtout mon petit Caiminus, j'adore Caiminus, franchement, je kiffe. Ok, Copieuse en dresseur, qui est une carte qui est revenue très 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 souvent d'ailleurs dans le bloc, hein, mais bon, voilà, on peut pas tout avoir non plus. On enchaîne avec un Solourdeau. J'aime pas ce Pokémon. Je suis désolé, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire. Mais pour moi, un Solourdeau, non. Non, je peux pas. Franchement, je peux pas. Allez, on enchaîne. Tac. Starry. Ah, cette carte, en plus, elle est magnifique. La carte est juste magnifique. Vraiment, c'est qui? C'est Himeno. Ouais, la carte est magnifique. Le Pokémon, j'adore. Pourtant, c'est plus un Pokémon, on va dire, de fille, quoi. Mais moi, perso, je l'adore. Voilà, franchement, je l'adore. Dites-moi aussi en commentaire, hein, si vous aimez bien les ouvertures un peu plus soft, light, tranquille, posé, surtout posé, parce que là, c'est vraiment, là, on est vraiment posé. Regardez, on a fait que 3 cartes, 4. Donc, on va tout de suite passer. Bam. Ah, le Pikachu, j'adore ce Pikachu. Pikachu, je l'adore. Franchement, je l'adore. La carte est aussi super belle. Franchement, ouais, j'adore. J'adore les couleurs, j'adore la pose, j'adore l'expression. J'adore cette carte. Franchement, je l'adore. Écoutez, je sais même plus ce que je voulais vous dire, je sais que je voulais... Ah oui, voilà, donc en fait, on m'a vraiment très clairement dit que j'aurais de la chance dans ce booster. Je suis désolé, moi j'y crois pas. J'y crois pas, mais bon, ce serait bien, mais voilà, c'était juste la petite parenthèse. Un rondoudou! Oh, il est mignon, ce rondoudou aussi, il est vraiment mignon. Il est choqué, vous voyez, je sais pas ce qui s'est passé là derrière, là, mais le rondoudou est totalement choqué, j'adore. Ah, j'adore, il est super joli. Ah, je kiffe. Je kiffe. On enchaîne avec Coxie. Ça, c'est certainement la carte de la série que je déteste le plus. pardon. Il faut aimer, en fait, les Pokémon en mode pâte à modeler, comme ça, là. Moi, j'ai vraiment du mal. Enfin, c'est même pas de la... Si on peut dire pâte à modeler. Mais voilà, moi, j'ai du mal. Franchement, c'est pas trop mon kiff non plus. Hein. Ça, c'est sûr. On enchaîne Sabelette. Ah, bah voilà, celle-là, elle est super belle aussi.
Ah, celle-là, elle est magnifique. Ah, j'adore. Franchement, ouais, j'adore. Ah, c'est top, c'est top, c'est top. On enchaîne. Bam! Canne artichaut, mais regardez-moi ce canne artichaut. Ah, je l'adore. Franchement, je l'adore. Bah, du coup, alors. Ouais, donc comme dit, si jamais il y a une légende, dites-le-moi en commentaire s'il vous plaît, je ne sais plus. C'est bon, ok, on n'en aura certainement pas. Oui, parce qu'il nous manque en fait deux cartes dans cette série, c'est les légendes qui nous manquent. Peut-être une ou deux holos, je sais plus, faudra que j'en regarde. Mais je sais plus en fait si elle remplace la reverse ou si elle prend la place de l'holographique. Donc du coup, voilà, bon, voilà, c'était juste la petite parenthèse. Donc on enchaîne. Ok, donc bah en fait c'était la reverse. Donc on aurait terminé par la reverse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon bah écoutez, un petit Zarbi bah, qu'on n'avait pas, oui, parce qu'en fait là le Master Set il est très loin parce qu'on n'a vraiment pas tout en reverse, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Mais bon voilà, en plus la carte je l'aime bien parce que Zarbi, j'ai toujours bien aimé les Zarbi, je m'amusais, je m'éclatais vraiment. Je sais plus quel jeu c'était, mais je m'éclatais avec... avec les là, avec les pourri, avec les porygons, avec les arbis histoire de faire les lettres tout ça, franchement j'adorais. Et on terminera du coup avec bah avec rien du tout parce que oui c'était, oh c'est foiré, je l'ai pas vu, c'était la canne artichaut la rare. Oh je suis désolé, je l'ai même pas vu. Oh la honte, honte à moi, je suis désolé. Bah voilà, tapez-moi s'il faut, je suis vraiment désolé. Mais voilà. Du coup, bah, on aura fini avec un petit canne artichaut. Oui, il est trop beau. Non, franchement, je l'adore. Franchement, ouais, je l'adore. Je mettrai tout ça en protection quand même, parce que oui, la série vient quand même de sortir de Booster. Elle est assez ancienne. Donc on va mettre tout ça sous protection, même les communes, hein, ça, il n'y a pas de problème. Et puis voilà. Ah bah écoutez, c'est nickel. Bah je préfère mille fois mon canne artichaut là quand même à beaucoup de cartes de là-dedans en fait, mais j'adore ce Pokémon, donc, tranquille avec sa petite fleur et tout. Ok, bah écoutez, bah voilà, c'était chouette. J'ai bien aimé, franchement, j'ai vraiment bien aimé. J'espère que vous aurez bien aimé l'ouverture également. Pour la semaine prochaine, je ne sais pas encore ce qu'on se fera. Je sais pas. Si vous avez des idées, dites-les-moi en commentaire s'il vous plaît. Et puis écoutez, bah voilà, moi c'était vraiment un vrai kiff d'ouvrir ce booster. Voilà, j'adore Or et Argent. Franchement, c'est une série que j'adore. Et puis voilà, bah écoutez, moi je vous ai tout dit. J'ai bien kiffé cette ouverture. On était vraiment posés. J'espère que vous avez bien apprécié aussi. Voilà, elle a duré certainement un peu longtemps, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave, c'est un petit kiff. Et puis voilà, bah écoutez, moi je vous dis à demain pour le On vous fait plaisir et en même temps n'oubliez pas de préparer des questions si vous en avez pour nous. On se fera une joie d'y répondre donc dans une prochaine vidéo qui servira donc de FAQ. Voilà, la première de Poké Basement. Ouh. Et du coup, bah écoutez, bah voilà, j'espère que les vidéos vous plaisent toujours autant. J'espère que vous prenez toujours un vrai kiff à venir voir les vidéos. Nous franchement, on s'éclate à les faire, on s'éclate à vous lire. Vous êtes top. Franchement, vous êtes topissime. Bah écoutez, bah moi je vais vous laisser. Je vous dis donc à demain. À demain pour la multi-ouverture. Mais pas du tout. Pas du tout. Je suis désolé, je suis encore un peu. Je suis perturbé, puis je suis ému. Je vous expliquerai déjà pourquoi. Et du coup, bah voilà. Bah écoutez, moi je vous dis à demain pour le On vous fait plaisir. Et on va reprendre la fin. Je suis désolé parce qu'on l'a un peu foiré. Donc écoutez, moi je vous dis à demain. Voilà, à demain. Portez-vous bien. Profitez à fond de votre passion. N'hésitez pas à liker, à partager s'il vous plaît, à commenter, à vous abonner. Si c'est pas encore fait, comme d'habitude, on vous réserve de très grosses surprises. Et voilà, et c'est juste un kiff d'être avec vous. Et merci à vous tous pour ça. Merci, merci, merci. Du coup, bah moi je vous dis à demain. Portez-vous bien et profitez à fond de votre passion. Allez, salut à tous.